Bonjour tout le monde, c'est Rovansmile et bienvenue sur Hearthstone pour l'aventure du bois maudit qui vient tout juste de sortir et qui me propose d'affronter Pete le Tordu avec notre héros. Sachant que dans le Kobold des Catacombes, on est à point de vie équivalent là. Il y a une légère différence de points de vie. La première on a 5 points de vie de plus, la deuxième on a toujours 5 points de vie de plus, puis après on a égalité et après on passe en dessous. On va comment. Il faut jouer agressif, donc il faut jouer encore. Moi ? Non, je n'oserai jamais. Tu non, il n'oserait pas. C'est pas mal. Ok, je vais voir son effet, merci. Effet ? Effet ? Noir de suie. Confère camouflage à un serviteur allié. Donc on va commencer avec ça. Ça. Là, il dégage avec elle et on tape derrière. Un tir. Faut jouer agressif, donc pas le choix. On prend ça de toute façon. Ensuite, tour, 4, tour 3, je rajoute ça. Tour d'après, je rajoute ça. Bon, camouflage, ok. Tour 4, donc on a dit qu'on mettait ceci. Ça, c'est jouer place un secret de votre deck sur le champ de bataille. À chaque fois que vous jouez un secret, ok. Deux points de dégâts, il va le faire deux fois. Ah, il peut le faire qu'une fois. Mais il va s'en débarrasser. Non, même pas, mais qu'il est con. Ah, au héros adverse, chaque fois que ce personnage attaque. Ouais, bah lui, dégage. C'est pas la peine, ça, dégage, tout de suite. Je ne m'attendais pas à ça. D'accord, donc j'ai ça qui est arrivé en plus. Donc toi tu gerques. Toi tu vas. Tu tapes. Rel d'agonie, place en secret. Ou on va faire ça pour l'instant. Plus intéressant, ce serait ça en fait. Parce que là j'ai quoi exactement? Ouais, le piège de fléchette et le piège ivre. Vraiment réussi à m'énerver. Merde, j'ai pas vu ça. Je vais vous annihiler. Attrapez-les. Hey, tu dégages. Tu dégages aussi. Ça va être chiant par contre là avec toute tout sa saloperie. Donc on va faire 2. Je ne m'attendais pas. 3. 4, 5. Et voilà, on commence à lui faire du dégât. On a encore celui-là. Et une fois que votre adversaire a joué 3 cartes à un tour, invoque un race 6. C'est bien, il se tue. Il se tue tout seul. Il a 11, il s'est tué tout seul, le con. Invoque 3 fantômes 1-1, s'améliore et retourne dans le deck. Enfin libre. 5 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Là, ce sera peut-être plus intéressant. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Sachant qu'il faut qu'il joue 3 cartes à un tour. Hein. Et merde. Il faut que j'inflige 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça passera pas, donc on va faire ça, 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 imbécile, imbécile, ça tu dégages, c'est plus dangereux. Et en secret j'ai quoi? J'ai 4 points de dégâts, j'ai un race 6, 5 dégâts. Merde. Ah, ça suffira pas. 5 points de dégâts à un adversaire aléatoire, c'est parfait. J'espère que c'est sur lui. C'est pas sur lui, c'est dommage. Qu'est-ce que tu me proposes? 5 points de dégâts, ouais, c'est ça qui va être le plus intéressant là. Okay.
Là, c'est plus, un peu plus intéressant, en fait, d'infliger des dégâts partout. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Et le 2. Allez, une troisième, s'il te plaît. 3-6, ça va être compliqué. Faut que j'arrive à lui infliger 8, putain. 3. Non, je l'aurai pas. Hein. Chier. 8. Et tu dégages. Je sais pas si je vais avoir celle-là. 4, 5, 6. Ça va être chaud. 7. 20. On tente ça. Que tu me proposes. Ouais, non, c'est un peu cher ça. Putain, je l'aurais pas, ça fait chier. Donc, ça. Tu me fais ça sur ça. Non, j'ai perdu. Là, je l'ai perdu. Ah, fait chier. J'ai joué n'importe comment. Très utile. Bon, ben, je m'arrête là. Je vais refaire un essai tout de suite en essayant de jouer moins comme un mage. Si vous succombez dans le bois maudit, vous perdrez le deck que vous avez créé. C'est logique. Je ne retournerai pas en prison. Pas aujourd'hui. Bon, ben, mesdames et messieurs. Oh, coco, on va continuer. Vu l'avancée de la vidéo, on va réessayer. Défi ultime, je suis mal barré. Déjà que j'ai pas réussi les kobolds. Non mais je joue comme un manche après, hein. Faut pas chercher du niveau ici. C'est pas sur cette chaîne que vous allez chercher du niveau. Death contre un loup galeux. Continue, on réessaye comme ça, j'ai une quête à faire avec elle, donc on continue tranquillement. 1, 2, 3. C'est pas mal. Vous risquez d'entendre un gros bruit. Je viens de me lever les yeux, j'ai une énorme araignée qui est arrivée au-dessus de moi. C'est pas le moment. Et je suis arachnophobe, donc c'est rigolo. Allez. Voyons, où est-ce que j'en suis? Je suis vraiment arachnophobe, donc je vous assure que je suis pas à l'aise là. Un tir, un mort. On va continuer. J'espère qu'elle est vraiment écrasée. Parce que je déteste ces saloperies. Ça passe pas. Je déteste. Ah, c'est horrible. Je suis dans l'ambiance. 2, 3, 1. Ouh, merde. Oui, pourquoi pas. Ouais, vous réussissez. Ça se tente avec ça, avec le coup de chat, ça passe. Attendez. 2, 3, 4, 5. Non, ça passera pas. C'est. Si, ça passe. 3. 4. 5, 6. Ça passe. C'est bon. Bon, bah, ça y est. On va ça. Oh, quoi que, 2 minutes. Allez. Soyons fous. Et après, il faudra que je fasse un truc. Réduit d'un cristal le coût des cartes ne venant pas directement de votre deck. Ça me sert à rien. J'ai rien pour voler les cartes dans le deck adverse. Pff, allez, on va la jouer tanky. On va essayer de la jouer tanky parce qu'on manque de vie. Non, trappeur. Imitateur. Imitateur, c'est pas mal. Non, ça c'est pas mal. On va le tenter comme ça. C'est pas mal du tout. J'aurais dû prendre l'autre. La muette. D'accord.
Ah merde, attendez, je suis attaché, j'ai un micro-cravate. Que je n'utilise pas d'ailleurs pour la vidéo. Voilà. Accrocher mon pied de micro, c'est très bien. Non, encore derrière. Un zombie muet. Ouais, bah, why not? C'est un zombie, hein, clairement. Provocation, non, ce n'est pas intéressant. Donc on va faire ça, ça, on va garder le larcin uniquement. Parce que je crois que ça va me rapporter que des pièces normalement. Bonjour. Double vos points de vie de départ. Tu fais quoi? Radio silence un serviteur, c'est ça? Ouais, je m'en doutais un peu. Copiez un sort du deck de votre adversaire et le place dans votre main. Ah ouais, ce sera plus intéressant ça que le reste. Ensuite, tour 2, on rajoute le Ouais, non, on va faire ça en fait. Je sens l'odeur du sang. D'accord. Ok. 3. 4, 5. Hein? D'où tu viens, toi? D'accord. À deux tours, puis vous avez deux tours. D'accord, tempo rousse. Why not? La 3, hein. Donc, 4. À 4, nous avons. On va prendre ça et on va faire ça. Réduit au silence un serviteur, découvre une carte. Découvre une carte, voyons. Et voilà, les bouffes. Putain, c'est horrible. Moi, ma phobie des araignées, c'est horrible, vous pouvez savoir. Douleur, c'est sur moi tes mots à l'oreille. Elle a joué Mazo. Mais why not? 4, 5. 6, 7. On va tenter ça. Kritgar affiche 3 cartes. Trouvez celle qui était dans le deck de départ de votre adversaire pour en obtenir une copie. Sérieux? Trop bien. Un sort ajoute une copie du sort de prêtre aléatoire. On va tenter ça. Sauf que là, il faut que je joue ça en fait d'abord. Il est pas agressif le deck en face, donc ouais, ça se tente. Votre magie ne vous sauvera pas. La 4-3. Prévisible. J'ai un coup de froid, moi. Ouais. Bah, merci. Merci et au revoir. Hey, allez, au revoir. Allez, ouais, allez, dégage. Bon, bah, mesdames et messieurs, on va se quitter là. Moi, j'ai une chose à faire. J'ai le chausson. On va essayer de l'écraser. Pour pas que je sois emmerdé par ce saloperie. Je supporte pas les araignées. Surtout quand il y a un lit à quand il y a mon lit à côté. Encore dans les autres pièges, je les mets dehors. Mais là, non. Là, je peux pas. Trappeur, ingénieux ou arsenal. Nous avons ingénieux, place 3 cartes embuscade, 3 cartes embuscade. Ça peut être ultra agressif. Ça peut être aussi ultra agressif, sachant que j'ai... Est-ce que j'ai quelque chose? Ouais, j'ai des trucs pour les armes, donc arsenal. Et cette fois, on va se quitter là, donc... Allez, je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Pouce bleu, commentaire, abonnement, je vous dirai où j'en suis dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Si je suis pas. Si je me suis pas cassé la gueule ou si j'ai pas détruit ma télé sans le faire exprès. Allez! Vu que je suis un boulet, ça peut m'arriver. Allez, à très bientôt!